tomates, oignons, piments, poissons et cubes d'assaisonnement, tout est devenu cher sur le marché. Dans la commune de Yopougon, quartier Nouveau Goudron, les femmes réclament au gouvernement une revisite du panier de la ménagère. Malgré tous les efforts menés par l'État de Côte d'Ivoire, le constat est tout autre sur le marché. Piment là, 5 à 25 000. Mais qu'on vend sur les 3 000. 1 500, 1 000 francs, 500. Avant, on s'était moins cher. Maintenant là, quand tu dis le prix à les clients, ils refusent, on dit c'est cher. Un kilo de riz est devenu 800. On n'arrive pas à payer pour manger. Maintenant, si tu es à 4 000, tu peux plus, ça ne peut plus faire marcher. Tu es obligé de prendre 5 000 francs pour faire marcher. Maintenant, si nous, on ne vend pas, les enfants n'en vont pas à manger. Donc, pitié de nous. Le temps est devenu dur, le pays est dur. Comment c'est cher? On souffre, aidez-nous. Vraiment, on souffre. Avant la poisson, la carton, on prenait à 18 000. Maintenant, c'est devenu 23 500. On ne se retrouve même pas un peu même. On souffre. Le constat est clair, rien n'a changé sur le marché ivoirien. Ces femmes espèrent une amélioration de leurs conditions de vie.